Bonjour. Donc, je vais vous donner des idées de business aujourd'hui. Je vais vous montrer comment structurer certaines choses dans votre vie. Parce que vous visez encore petit. Et bien sûr, la dîme que vous payez est trop petite. Ok? J'arrive. Bonjour, bonjour. Thank you. Vous avez fait ça, non? Qui n'a pas fait? Qui n'a pas fait son don le matin? Bonjour la reine Fatine. Régine, tu as déjà fait ton don, c'est bien. Enfin, notre rituel. On inspire. On expire. Bonjour, bonjour. Entrez, asseyez-vous. Prenez le bic avec la feuille.
Je vous purifie. Purifie vos idées. Je mets l'intention suivante. Je demande la lumière. La lumière blanche, pure. L'amour. Seigneur, que tu éclaires les personnes qui vont écouter ce que j'ai à dire. Que tu sortes une personne du trou, une personne qui était désespérée. Que cette cloche qui va sonner soit comme une sonnette d'alarme, qui va réveiller les dons de la personne, qui va activer ses pouvoirs. C'était là, je ne sais pas pourquoi tu as les vibrations quand la cloche sonne. Ça fait des années, tu sais que tu as les pouvoirs. Je suis là pour te parler aujourd'hui. Première chose, pouvoir sans argent égale zéro. Pouvoir 1, argent 0 égale 0. Me suivez. Donc spirituel, 50, argent 0 égale 0. Mariage, 1, argent 0 égale 0. Belle femme, belle femme, belle femme, mignonne fille, mignon garçon. 1, argent 0 égale 0. L'argent, c'est votre droit de naissance. Tout se résume et aboutit à l'argent. Peu importe ce que tu dis, que tu connais, comme vous êtes habitué souvent là. Souvent, venez me critiquer, non? Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à accepter l'argent. Beaucoup d'entre vous, vous n'acceptez pas d'avoir l'argent parce que vous avez peur des critiques des gens autour de vous. Souvent, quelqu'un vient, je dis, voilà le prix de ce que je fais. Hein, c'est cher. La personne part, la personne vient voir comment je suis en train de faire avec 50 personnes. Elle multiplie. Que si tu prends tel montant par personne, et je vois 70 personnes sur ta chose, elle multiplie. Hey, ça veut dire que tu t'es fait. Ce n'est pas le travail qui va te donner l'argent. Ce n'est pas ton boulot d'infirmière que tu fais là qui va te rendre riche. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas ton petit travail là. Parce qu'un jour l'autre est venu ici, là, toujours insulté que oh, elle a. Elle disait qu'elle a quoi? Qu'elle a 2000 euros le mois.
Elle venait ici, elle parlait, on s'est parlé. Il dit, mamie, je ne sais pas qui t'a invité dans notre salle ici, là. Les gens, tu entres quelque part, les gens sont en train de parler, tu entres seulement comme ça, là, tu commences à parler. Tu t'assois. Pendant que tu marches dans un immeuble, tu entres dans une salle, les gens sont en réunion. Assois-toi, tu écoutes. Qu'est-ce qu'on dit ici, là? Il s'agit de quoi? Tu ne parles pas devant, tu commences à insulter la personne qui parle. Regarde comment elle est là-bas. Hein? Où elle est mal élevée? La mauvaise éducation. Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, il est votre femme, oui, allez-y. C'est celle qui était chez moi hier. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, donnez-moi un numéro alors, parce que si, parce que je devais la payer normalement aujourd'hui. Ok. Si elle peut m'appeler tout à l'heure, comme ça je peux un peu voir dans quel hôpital elle va partir. D'accord, tout à l'heure, monsieur. Crois que c'est le mari d'une de mes employées, là. Je vous disais, tu ne peux pas avoir tous les dons que tu as. Avec l'âge que tu as. Et l'âge n'est même plus à ta faveur. Parce que votre problème, c'est que vous vous dites toujours que c'est le diplôme, le salaire, la veste ou la cravate qu'on porte quand on part. Toi, quand tu travailles pour quelqu'un, non? Tu as quelqu'un dans l'uniforme, tu t'assois, il y a la clim. Quand moi je commençais avec mes dons, n'avais pas idée que ce qui va me donner l'argent et me rendre riche, ce serait certaines personnes m'appelaient traduit praticienne, appelez comme vous voulez, mais je n'avais pas imaginé que ça pourrait être comme ça. Je vais vous donner des indices d'abord qui vont vous faire détecter ce qui est pour vous. Et après, je vais vous montrer, je vais vous donner ce qu'ils m'ont donné que je vous donne, qui va vous aider. Après, si vous voulez faire, vous faites. Si vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas. OK? Voilà. Pour connaître tes dons, c'est-à-dire les choses qui vont te rendre riche. Parce que je vous ai dit que ce n'est pas le salaire qui vous rendra riche. Si on est tous d'accord là-dessus, je pense qu'il peut avancer. Ce n'est pas ton petit salaire que tu as là. Comme tu es arrivé en France, on t'a dit, va, deviens aide-soignante. Oh, va, deviens infirmière. Tu es dans 2500 euros. 2500 euros, c'est l'argent de poche. Maintenant, beaucoup d'entre vous, quand vous préparez, c'est très bon. Je ne sais pas si vous dormez encore. Vous êtes dans le lit comme ça, là. Attendez. Il est temps que tu te réveilles. Partagez ma vidéo. Je sais que vous êtes là sur le lit comme ça, votre corps pèse. Partagez ma vidéo. Et je veux les likes. J'ai 60 personnes, 80 personnes qui me regardent. J'ai seulement 27 likes. Pourquoi? Ne me fais pas le mauvais cœur ce matin. Mais... mettez les likes sur ma vidéo. Trois personnes seulement ont liké. Et 8 personnes ont partagé. Vous avez remarqué que quand ils vous demandent pas de liker ma vidéo, vous ne likez pas. Vous venez vous manger, mais vous mangez mes idées. Je donne les idées, vous ouvrez la bouche, vous mangez. Après, vous partez. Vous ne faites rien avec. C'est ça l'esprit de pauvreté. Il y a assez de Decepticons ici, là, comme ça. Parce que le Decepticon va venir. Que si le Decepticon peut regarder ta vidéo sans que ça te mette une vue, c'est qu'il ferait ça. Likez d'abord ma vidéo.
Il y a beaucoup de femmes. Vous êtes tombées sur ce que je fais. Je me suis trouvée dans la spiritualité parce que j'ai commencé par la religion. N'avais pas les papiers. Après, je suis tombée dans les gens que ma cloche là, ça vous fait des effets. Après là, je suis partie dans le coaching, religion, coaching. Après ça, j'ai commencé la spiritualité africaine. Me suis assise, Dieu m'a montré que tout ça là va ensemble. Et c'est ce que je suis en train de vous passer. Maintenant, je veux vous raccourcir le chemin. J'ai fait 13 ans en Europe. Je sais que les gens viennent souvent et disent, oh, tu es allé en Europe, tu es rentré. Tout le monde ici la connaît. Tout le monde est sur ma page. Vous connaissez mon histoire. J'ai même fait le livre de ça. Chaque détail de mon histoire est vrai et correct. Donc, si le gars, il me dit, oh, elle est partie en Europe, elle est rentrée en Afrique, vous la regardez maintenant, pourquoi? Merci la reine Emédiane. Larissa Carole, je veux vous montrer, ne dis pas que j'ai perdu les opportunités. Je veux vous montrer les choses qui vont vous aider aujourd'hui. J'ai 34 ans. Bientôt, j'en aurai 35. Bon, dans beaucoup de mois. Et j'ai commencé depuis que j'ai 22 ans. J'ai tout fait. J'ai fait dans tout. J'ai vendu les caramels. J'ai vendu les croquettes. J'ai vendu les croquettes. J'aime faire la nourriture pour vendre dans les. Quand il y avait un événement. J'ai vendu les beignets. J'ai fait les beignets, je marchais dans les. J'étais en Angleterre. Je n'avais pas les papiers. Je faisais les beignets, je marchais dans les boutiques. Je proposais aux gens. Je faisais les croquettes en Angleterre, j'appelais ça chin-chin. Oui. J'ai encore fait quoi? J'ai pris, en Angleterre, à l'époque, tu pouvais louer la maison sans payer, sans avoir les papiers. Donc, je louais les maisons. J'ai pris une maison de 5 chambres que ça fait même 6 mois, on n'arrive pas à louer. Je prends ça, j'arrange, je peins moi-même. Je redécore, j'achète avec mon argent. Après, je loue chaque chambre. Je prends une maison de 5 chambres. Je convertis un des salons, parce qu'en Angleterre, c'est tout 2 salons. Salle à manger, salle truc. Donc, je convertis un salon en chambre encore. Ce qui fait que toute la maison a seulement un salon. Et dit que je pouvais te peindre une maison de 5 chambres seule. J'avais mes tactiques. Parce qu'en Angleterre, 5 chambres, c'est au moins 2 niveaux. 2 étages. Donc je commence par la première, le salon d'abord. Je fais une chambre. Je passe sur Gumtree. J'achète. Les trucs déjà utilisés là, le lit, l'armoire. Ikea, l'armoire était cher, moins cher Ikea. J'avais 60 pounds, j'avais l'armoire. J'ai décoré, j'achète la petite table de 5 pounds là. La table qui se casse rapidement là. Mais ça sent pas, table centrale. Tu achètes le petit bureau sur Gumtree. Ça là, j'ai donné les 25, 26 ans. Hein. Je n'avais pas les papiers, j'avais un enfant dont je devais m'occuper. Je finis, je loue la première chambre. Première chambre, quand tu viens pour louer, que d'abord j'ai loué la maison au bailleur à combien? J'ai payé 1500 pounds, 700 à 750 pounds le mois. 2 mois, 1 mois de caution, 1 mois de loyer. J'achète le matériel pour arranger ça. La première chambre, je peux encore dépenser peut-être même 300 pounds. Peindre, acheter le meuble, tout ça là. Je finis la première chambre, je mets en ligne. Je loue, quand tu viens, il te dit que 300 pounds caution, 300 pounds loyer. Tu me donnes 600 pounds, non? Je prends tes 600 pounds. Je pars, j'arrange et je meuble encore 2 chambres. Comme vous dites, vous attendez le crédit de la banque pour commencer vos choses là. Et les 1500 pounds de départ là, c'est la coiffure que je faisais. Je coiffais. Je faisais tout. Mes doigts, c'est là. Ne voyez pas où j'ai les longs ongles maintenant. Je te fais les twists. La laine des Sénégalais là. Je te tape ça comme ça là.
mof. Il fait les passes, mais je suis à le bout. Et pendant la période où je faisais tout ça, je mets les enseignements, j'écoute. Il y a beaucoup d'entre vous, vous avez téléchargé mes vidéos sur votre téléphone. Pendant que vous êtes en train de travailler, vous m'écoutez. Ça a gardé mon mental. Maintenant, j'ai la capacité de garder mon mental haut, à tout moment. Même si on veut me dire que telle chose est tombée, que wow, tu as perdu 2 millions, 5 millions, 15 millions, vous ne dérangez pas. Vous allez me dire, vous allez me dire, ok, j'ai compris. Et vous faites ça, parce que j'ai développé le mental. Donc vous là, que vous me dites que, wow, j'ai hâte d'essayer, laissez. Ce n'est pas les situations qui vont s'arrêter. Toi, tu dois changer. You must change. Pendant que j'écoutais les vidéos là, c'était en anglais. C'est comme ça que j'ai même appris l'anglais. Je ne suis pas partie à l'université. Comme vous voulez souvent parler là. Je n'ai pas moi les diplômes de l'université. Parce que j'ai commencé la première fois. J'ai commencé ici en Guadeloupe. Je suis partie en Belgique. J'arrive en Belgique, je fais mes papiers. L'amour me poursuivait. Je poursuivais l'amour. Je suis partie en Angleterre et ça veut le père de ma fille. J'arrive en Angleterre, je commence business and finance. Dès que je commence, je tombe enceinte. Comme ça que j'accouche ma fille. Et pendant ma grossesse, j'étais tellement malade que je ne restais qu'à la maison. Dès que j'accouche, mes papiers finissent. Me voilà avec un enfant d'un an, sans papier. Lui, me dit qu'il okay, va rentrer au pays. J'ai commencé à faire le conteneur avec lui quand j'avais 22 ans. Il fait le conteneur. Je chargeais le conteneur en l'an 2000. 10, 11 et 12, je faisais le conteneur. Il marchait, j'ai cherché la brocante là-bas en Angleterre. Donc quand vous parlez de... J'ai fait beaucoup de choses. Attachez ma vidéo s'il vous plaît. Je sais que vous aimez que je vous supplie. J'ai seulement 70 likes alors que vous êtes combien de personnes ici là? Likez ma vidéo s'il vous plaît. Et c'est le mauvais cœur. Oh, si tu viens d'arriver, tu m'écoutes, tu fais 2 minutes, tu ne comprends pas et que ça ne t'intéresse pas, tu peux partir, ne te dérange pas. Je ne cherche pas les amoureux. Je cherche les gens qui vont mettre en pratique ce que j'enseigne et que leur vie va changer. Quand quelqu'un me voit et me dit, waouh, avec tes enseignements, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à faire ça. Voilà ce que je veux. Mettez-moi les likes sur ma vidéo. Je dois monter à 95 likes. J'ai 86 likes. J'ai même 100 likes. Parce que quoi qu'il y a 100 personnes connectées ici. J'attends mes likes. Vous venez de venir prendre les idées ici là chaque matin. Vous venez par les idées. Vous prenez les idées. J'ai fait la cloche des likes. Combien de likes on a maintenant? Voilà, 100. Je continue. J'ai 150 personnes. Je devrais avoir au moins 150 likes. Bon, je sais qu'il y a quelques ennemis. Bonjour, mes ennemis. Comment tu te lèves à 6 heures, tu es sur ma page alors que tu me détestes? Bon, passons. J'ai fait ça. Et pendant ce temps, je n'avais pas accès au social. C'est-à-dire, je ne peux pas recevoir l'argent de l'État. Avant, je pensais que c'était une malchance. C'est-à-dire, j'étais en Angleterre, tous mes amis, certains étaient des étudiants, leurs parents étaient ministres ici au Cameroun, donc on leur payait l'argent, on leur payait l'école, tout, tout, tout. Et d'autres de mes amis étaient les Nigérians, ils avaient déjà les papiers depuis longtemps. Maintenant, j'étais entouré de gens qui avaient accès à l'argent du gouvernement. Moi, j'en avais pas. Chaque fois que j'écoutais les vidéos de motivation, je m'assois dans ma chambre. Parfois, je faisais la peinture. Je travaille au salon de coiffure. Je finis à 17h. Avec l'enfant, hein. Je la tire. On entre à la maison. Je commence la peinture vers 18h, 19h. Je finis vers 23h. Le matin, encore, les gens viennent. Je leur fais visiter. J'ai regardé. Ils regardent.
C'est comme ça que je suis appelé à juger les gens. Je veux que vous sachiez que dans votre galère, vous avez appris. Every step of the way. Chaque étape de votre parcours, vous avez appris. Tu as vendu le tapioca. Tu as fait, peu importe ce que tu as fait. Là-dedans, tu as appris quelque chose. Un jour, je suis restée, je coiffais des gens tout le temps chez moi. Un jour, je suis restée comme ça, j'ai dit. J'avais tellement écouté les enseignements. Et j'écoutais, je faisais les rêves, le Seigneur me montrait, je voyais, je priais pour les gens, ils guérissaient. Mais parce que l'église, on m'avait aussi frustrée. À l'église, on m'avait dit, voilà, comme tu es une femme, tu ne peux pas prêcher la parole. Comme tu es une femme, Dieu ne peut pas t'avoir honte. Non, Dieu ne, 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 ne. Et tu es une femme, en plus, tu as même derrière l'enfant. Donc, c'est des choses qu'on avait dit pour jouer sur mon mental. Je suis passé au moins dans trois églises où j'ai subi ça. Excusez-moi. Dans une des églises, il y avait les Nigérians. Vous savez que les Nigérians ont ils aiment bien ce truc de ne pas mettre la honte sur moi. Genre, ils ne peuvent pas. Si tu es une femme, tu as un enfant, tu es single, ils ne peuvent pas te mettre en avant que c'est toi qui vas prêcher. Et même quand ils font les choses, ils ont peur. Tu as un moment, tu sens qu'ils ont un peu honte de toi. Voilà. Donc, j'ai subi aussi ça. Non. Ce que le Seigneur me montrait était c'était plus vivant pour moi que ce que les autres pensaient. C'est pour ça que j'ai shifté de l'étape où j'avais peur des gens. Et je suis entrée en moi. J'ai laissé ce que Dieu avait mis en moi sortir. Je reste en 2017. 2016, je crée la page ici. Parce qu'un jour, j'étais à l'église où le pasteur prêchait. J'entends le Seigneur me dire, coach les gens. Lance-toi comme coach. J'avais pas de background, pas d'argent pour payer la formation, rien. Parce que 4 ans plus tôt, en 2012, ma copine m'avait invité à un séminaire. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu des coachs. Les femmes étaient tellement belles, bien habillées. C'était une blanche, une américaine, je pense. Non, 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 une anglaise, parce qu'elle avait un accent anglais. Et quand j'avais vu la femme là en 2012, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Bon, après, les réalités sont venues, problèmes, nanana, nanana. Et dans tout ça, n'oubliez pas que dans toutes ces souffrances, tu as aussi les relations. Donc, tu as l'homme qui vient, il part. L'autre vient, il fait les yo, il prend ton argent, il part. L'autre vient, oh, il a les papiers, ils sont avec toi. Il ne veut pas te donner les papiers. Écoutez, mesdames. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Donc, 2016, je lance la page-ci. En lançant cette page, je sortais d'une énième relation. Et dans certaines de ces relations, j'avais la peine à ce que ces personnes acceptent ma fille. Parce que quand tu as des enfants aussi, c'est après que j'ai compris que c'était même en fait mon mental. C'est parce que moi, je ne m'acceptais pas que j'avais ce blocage dans mes relations. C'est-à-dire, la personne va venir, après, j'aurai l'impression que c'est comme si, parce que j'ai un enfant, la personne n'est pas. Genre, il n'est pas très très content. Genre, je ne sais pas comment il peut dire ça. Il n'accepte pas totalement le fait que tu es un enfant. Parfois, il a même honte de te présenter aux gens et dire, ah, elle a les enfants. Elle a un enfant. Tu vois un peu. Donc, j'ai subi certaines de ces frustrations-là. Donc, 2016, je lance la page. Il y a une bande annonce sur ma page YouTube. J'avais dépensé beaucoup d'argent. J'ai fait cette vidéo, j'ai pris un make-up professionnel, j'ai fait tout ça. Et la vision de ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'avait donné en 2016. J'ai organisé des conférences, les gens ne sont pas venus. J'ai fait beaucoup de choses. Dépensé l'argent, fait des trucs, les gens ne sont pas venus. Non. Je vous raconte ça parce que je sais que vous allez me dire, oh, j'ai échoué. J'ai fait ça n'a pas marché. J'ai fait ça n'a pas marché. Après ça, j'ai eu mes papiers. Quand j'ai eu mes papiers, j'avais la possibilité de partir travailler maintenant. J'ai travaillé pendant 5 mois. Je faisais care assistant, c'est-à-dire aide-soignante en Angleterre. J'ai commencé ça. J'étais déjà trop tombée dans l'entrepreneuriat. J'étais habituée déjà à rester la nuit comme ça, j'ai une idée. Ou bien je vois un besoin. Je pars, je cherche ce que la réponse à ce besoin-là. Ou j'arrive peut-être à l'église. Je vois que quand on sort de l'église, généralement, il n'y a pas à manger. Et quand les gens doivent attendre le deuxième service, ils marchent, ils vont loin à KFC, toi, tu peux acheter la nourriture. Et si je faisais la nourriture, je venais vendre.
Parce qu'un entrepreneur, tu vois le besoin, tu viens avec une idée, tu apportes la réponse au besoin. J'ai remarqué que les gens se marient. Quand on se marie dans l'église ici, il n'y a pas de service traiteur. Il n'y a même pas la déco, même pas bien. J'ai ma tante qui est en Turquie. Elle peut m'envoyer le matériel de déco. Elle investit son argent dessus, on fait moitié-moitié. Et les bénéfices de ce business, je partage avec elle. Règle numéro un dans le business, ne prends pas tout l'argent de quelqu'un pour faire le business. Tu dois toujours mettre ton argent dedans. C'est pour ça que quand tu vas demander le crédit à la banque te dit toujours où est ton apport. Le risque que tu cours si tu n'as rien investi dans le business que tu gères, c'est que tu vas faire tomber le business là. Donc, vous les femmes là, oh, je n'ai pas. Hein, j'attends quelqu'un qui va m'aider. J'attends quelqu'un qui va m'aider. Ma chérie, you don't need that. Je peux partir de rien. Je fais l'argent. Même que je sois arrivé au Cameroun, je suis tombé au moins 4 fois. Quand je suis arrivé, mon premier loyer, il va dans un immeuble où on payait 180 000 au mois. Bon, j'étais l'ami du bailleur, donc je payais 140. Moi, il ne veut pas me mentir, je me dirais. Mais il donne un appartement qui valait 180. Je suis quitté de là. J'ai fait un mauvais investissement. Je suis tombé. J'ai un appartement où je payais 75 000 le mois. Petite chambre comme ça, là. Avec un petit salon. J'ai dormi sur le sol. Je vous ai dit ça ici. J'ai dommé sur la natte. Que j'avais payé à 3 500 hommages à la douche là-bas. J'ai dormi dessus pendant 2 semaines parce que je n'avais pas l'argent pour acheter le matelas. Tout mon argent était parti pour payer le petit loyer là parce que j'avais fait mon. Je vous dis encore. Je suis quitté de là, je suis parti à Nairobi, payer 50 000. De 50 000 là, ma tête a commencé à tourner. Parce que toi, tu réfléchis. Calcule ma plan. Je suis quitté de là. Quand j'étais dans 75 000 là, j'ai pris ma chambre, mon salon, j'ai transformé mon salon en école. Donc j'enseignais dans le salon. Dans la chambre, je faisais mes vidéos dedans. L'argent a commencé à entrer. J'ai encore diminué le coût de ma chambre. Je suis parti payer un endroit de 50 000. J'ai loué maintenant un endroit de business où je payais 150 000. Donc je dormais dans une petite chambre, encore petit truc de 50 000 dans le quartier. Et j'avais loué un endroit où je travaillais. Donc mon loyer était plus petit que l'endroit où j'avais. J'avais pris tout mon don. Quand j'ai un peu l'argent, je crois trop à ma vision. Je crois à ma vision. Et tu dois être ton premier investisseur. Parce que si tu attends, personne ne va venir te sortir de là, ma chérie. Je parle aux femmes. Les hommes qui sont sages et qui m'écoutent, ils vont quitter sur l'affaire de sexe là. J'ai les hommes qui m'écoutent, j'ai les hommes qui paient leur dîme, j'ai les hommes qui font le lavage. Tu vas voir un homme à venir, tu parles, c'est mon femme. Moi, je suis habitué. Quand il dit de tout, ma chérie. Je suis quitté de 150 000 là que j'ai payé dans le loyer. J'ai fait 3 mois là-bas. Je suis allé louer un autre endroit que je devais payer 250 000. C'était très grand. J'avais pensé que pendant 6 mois, je peux vivre ici et je loue. Donc, je devais laisser l'endroit de 50 000. C'est la villa où la femme a pris mon argent, elle m'a mis en prison là. Où est que je suis encore tombé? Toutes mes économies que j'avais mis, j'ai arrangé sa maison. Pouf, tombé à l'eau parce que j'ai encore dû payer pour me sortir des cellules. Pardon. J'avais même payé un avocat qui n'avait, il avait fui. C'était pas l'avocat qui m'avait défendu. Excusez-moi. Je sors des cellules. J'ai supplié. J'avais peut-être un petit agent qui me restait là. J'ai supplié le bailleur que comme tu me vois là, ça ce n'est pas moi. J'ai eu trop de coups. Que pardon le père. Prends 4 mois de loyer. Je sais que tu demandes, d'ici, il voulait 10 mois de loyer, je pense. Il dit que prends. J'ai donné. J'ai porté mes choses. Je suis venu déposer là-bas. C'est le temps là que j'ai fait la dépression. Pendant ma dépression, j'ai découvert que j'avais des talents thérapeutiques. Quand j'étais dans ma dépression, je faisais les thérapies de couple. Je donnais les thérapies de couple aux gens. Parce que je restais.
Je partais toujours à la radio, je passais toujours à la radio le temps-là. C'est les périodes où je restais, j'étais couché à la maison toute la journée, non. Ma fille part à l'école à 7h, elle revient à 15h, je suis couché dans la même position. Je n'ai même pas mangé. C'est elle qui prend encore pour parler, tu viens me donner. Mais il y avait un truc que je faisais, je partais à la radio toujours, tous les samedis. Et la période, là, c'est comme si Dieu avait ouvert, les gens faisaient que m'appeler. J'ai un problème, mon mari, oh, j'ai un problème, ceci. L'appartement que j'avais pris, c'était un appartement de deux chambres. Je dormais dans une chambre avec ma fille. Dans l'autre chambre, j'ai aménagé comme un bureau de consultation. Ça, c'est l'autre aussi, ça date de un an. C'était l'année passée. Hein. Je vous parle de janvier, février, mars 2021. Ça fait un an là. Là. Ça m'a encore pris du temps pour avoir confiance en mes dons. Donc, j'avais à découvrir que je peux être. J'avais à faire l'école des enfants. Donc, je vous ai dit que j'ai les colonies de vacances qui arrivent. Pendant les vacances, ici, juillet, août, je vais recevoir les enfants. Certains peuvent venir d'Europe pour dormir pour 2 semaines, 3 semaines. On va les recevoir au centre. Donc, on fait les bonnes manières, le coaching, l'entrepreneuriat, tout sauf l'école, tout sauf les mathématiques et le physique, chimie, tout là. J'apprends les bonnes manières aux enfants. Dresser le lit le matin, gérer l'argent, faire ses courses soi-même, tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est un truc que j'ai encore découvert en moi. Je vous dis comment j'ai fait pour découvrir mes dons. Donc, pendant cette période de dépression, tous les gens qui venaient à moi, c'était mon problème de couple. Donc, je m'asseyais, j'écoutais les gens. J'aidais les gens aussi à guérir de leurs blessures. Je ne faisais pas encore dans la spiritualité, blessures ancestrales, là. Oh, ma mère avait été violée. Voilà, moi, j'ai grandi sans mes parents. Maintenant, tu la vois là, 45 ans, malheureuse dans son foyer. J'ai commencé les thérapies. Bonjour le roi Wafo. J'ai commencé les thérapies. J'avais l'église, on avait fermé l'église dans cette période-là. Quand je suis quitté les thérapies, j'ai trouvé un local où je payais 25 000 francs le mois. J'avais même seulement supplié l'homme là pendant 3 mois. Comme le corona était là, il avait arrêté au parcours Vita. Donc, j'ai supplié, il m'a donné le local de 25 000 francs. Et je suis arrivé pour payer, je n'avais même pas l'argent, si bien qu'il a dit que pardon. Prends d'abord un mois, ne prends même pas la caution. Parce que j'étais encore en train de payer mon bailleur. Il devait payer 10 mois de loyer. Je l'avais supplié qu'il me prenne 4 mois. Donc chaque mois, je versais peut-être 2 mois de loyer, un truc comme ça là. Donc me voilà, je me retrouve, je dis que non, il faut que je relance ce que je fais avec les enfants. Je paye 25 000. Je crois que le premier mois, 3 enfants sont venus. Chacun payait 15 000. Quand vous voyez faire mes choses aussi, les gens viennent, vous vous dites que. Parce que j'ai vu les gens sur mes statuts hier, vous étiez jaloux sur mon âme, écoutez, vous ne connaissez pas mon parcours. Et je veux que vous sachiez que peut-être que vous voulez vous arrêter aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas. Tu es en train de tracer l'histoire que tu vas raconter aux gens demain. Souvent les gens viennent. Hein? Je vois que tu as beaucoup de gens qui viennent. Tu as beaucoup d'argent. Tu as besoin. Non, tu ne connais pas le nombre de fois où je suis parti investir. Tu connais pas le nombre d'événements que j'ai organisés, les gens ne sont pas venus. Tu connais pas le nombre de livres que j'ai commencé à écrire, ce n'est pas sorti. Peut-être tu as ton deuxième livre que tu as écrit, commencé. Tu es découragé. Ah, j'ai ouvert ma page Facebook. Personne. Ah, non, 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 non. Dans tout ce que je vous dis, je veux que. Parce qu'il y en a parmi vous, au moins un des dons que j'ai dit là, vous avez ça. Je commence dans le tout de 25 000. Premier mois, j'ai 3-4 enfants. Deuxième mois, je crois que le deuxième mois, j'avais 10 enfants. Je me mettais au parcours Vita, j'ai invité les gens à entrer gratuitement. Tu testes la première fois, ça te plaît, tu viens, ça te plaît pas, tu pars. Deuxième mois, j'avais peut-être 10 enfants. 10, ça fait 150 000. Je payais le local 25 000. La fille qui travaillait pour moi, j'avais deux employés que je payais. Ils travaillaient seulement les dimanches. Je crois qu'elle a payé 30 000. Je parle de comme ça. J'ai fait ça 2 mois. Le troisième mois, j'ai vu une dame qui avait un autre local loin là, je sais pas, toujours dans le parcours Vita. Vous savez à combien j'ai pris le local? 90 000. C'est l'argent que j'avais. Je n'ai pas mangé l'argent là. J'ai pris. Je suis parti encore déposer dans le local. J'ai payé les 90 000 par la fois parce que sur ma main, j'avais seulement 8 ou 9 enfants. Je n'étais pas sûr que les 9 enfants allaient venir pendant les vacances. J'ai lancé mon activité de vacances.
Le 1er juillet 2021, quand j'ai lancé les activités de vacances, j'avais un enfant. Et j'avais 7 employés sur place. Je m'étais engagée à les payer. Certains, je devais payer 100 000 le mois. D'autres, je devais payer combien? Il y en avait, c'était il y avait 16 ans. Ceux-là, je devais payer 50 000. D'autres, c'était les vacanciers. J'avais un vacancier même de 14 ans. Lui, je lui ai payé, je lui ai donné, à part l'argent de taxi que je donnais, j'ai donné encore 20 000 francs de salaire. Donc, je peux dire que j'ai dépensé environ 30 000 sur lui. Et j'avais dedans les employés que d'autres 80 000. J'avais même un professeur que je payais 120 000. Donc imagine le premier jour, j'ai un enfant, 7 employés sur place. Le père de l'enfant là m'appelle le lendemain. Il dit, coach, tu sais que j'ai confiance en ce que tu fais, non? J'ai dit, oui, papa. Mon fils m'a dit qu'il était le seul enfant hier au centre. J'ai loué le local à 90 000. J'ai pris les employés. Je me suis engagé au moins à payer 500, 700 000 francs pour les enfants, pour les employés. Sans compter le matériel. Parce qu'on fait des cours de piano. On fait des cours de piano. On fait des cours de théâtre. On fait la danse. J'avais fait les uniformes des enfants, les choisibles. J'avais investi. Tout l'argent là, c'était que mon argent. Quelqu'un ne peut jamais venir dire qu'il a porté son argent, il a investi dans mon business. Je lui dis que papa, tu as envoyé ton enfant cette année parce que l'année passée c'était bien, non? Tu avais confiance, non? Il me dit oui. Je lui dis que je ne doute pas de ce que je fais. Donne-moi quelques jours. Le jour là même, une famille m'appelle, il m'envoie 4 enfants. Il paye cash. L'année passée c'était 60 000 francs le mois par enfant. 4 enfants, ça te fait 6 fois 4, ça fait combien? Et je me suis retrouvée en l'espace de. Le 1er juillet de l'année passée, je pense que c'était un vendredi, ou un jeudi, c'était jeudi. Vendredi et samedi, il n'y avait pas cours. Lundi, j'avais 5 enfants. Mercredi, j'avais 12 enfants. Le vendredi qui a suivi, j'étais déjà dans les 18 enfants. Quand on clôturait le 27 août 2021, même le 25 août, les enfants venaient toujours. Les parents étaient fans de ça. Hey, maman, est-ce que mon enfant peut encore venir? Ouais, pardon, ouais, pas même seulement 2 jours. Le jour-là, les gens viennent, ils voient les enfants. Certains s'asseyent contre mon argent. Que si chaque enfant a payé 60 000 à la FICC, je vois 120 enfants ici, là. Arrêtez de prendre vos calculatrices. Et je leur dis toujours que vous n'avez pas encore vu. Tu dois croire en ta vision. Et vous dites comme ça, je vais me lâcher de poule. Parce que je crois en ma chose. Ne croyez pas. Laissez, je fais le direct. J'ai une personne qui me regarde. Je suis là. Qui va venir vous acclamer si vous ne vous acclamez pas vous-même? Tu sais, Marie. Tu es bête. Tu es bête. Parfois, j'ai envie de vous insulter. Vous-même, vous me connaissez. Personne ne met l'argent dans moi. Personne n'investit. J'attends que mon oncle décide que 50% de tout ce qui touche ta main, tu vas mettre dans une caisse quelque part. Au bout de 2 mois, tu vas voir combien d'argent passe dans ta main que tu dépenses pour faire les inutilités chaque jour. La seule chose qui appelle l'argent, c'est l'argent. Rien d'autre. Bonjour la reine Pauline Ban. Ce n'est que l'argent qui appelle l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, ne crois pas que ça va appeler l'argent. Je ne me suis pas découragée sur l'affaire des villas, non. La femme m'avait fait ça sur la villa. Quand j'ai fini avec les enfants, le 27 août, le 19 août, ceux qui me suivent depuis 6 mois, vous avez sûrement vu mes premières vidéos le 19 août. Le 17 août, l'esprit me dit, tu vas changer ce que tu fais. J'avais consacré les 4 derniers mois à l'école. Je suis en train de vouloir, je voulais que je relance avec les enfants en juillet encore, juillet, août. Pendant les vacances, mes vacances généralement sont focalisées sur les enfants. Parce que les enfants, c'est notre futur. Si tu as tout l'argent que tu as, ton enfant ne connaît pas comment gérer.
ou créer l'argent, c'est mort. Ce que tu es en train d'échouer. Ce que tu es en train d'échouer. Quand je suis en train de finir, je sens l'esprit fait que me dit que tu es maintenant en train de, tu vas changer ce que tu fais. Je dis que comment? Je pars au village, je fais un tour au village, je vois ma mère. Bon, je suis la tombe de ma mère. Je reviens le 19 août, je fais la vidéo que vous avez tous vue. En l'espace de 3 jours, je suis à 10 000 vues, chose que je n'ai jamais eue sur ma page. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Les gens commencent à m'appeler. Le jour même de la clôture, qui était le 27 août, appel, appel, appel. Je dis, mince. Il me dit, commence à façonner des services. Les gens qui m'ont appelé les premiers jours où j'ai fait mon direct, premier jour, je ne demandais pas d'argent. Je ne demandais pas d'argent. Le Seigneur me dit, c'est depuis 2014 que je connais mes dons spirituels, dons de guérison, dons de parole. Je suis motivatrice dans l'âme. Même si moi je suis à terre, je te vois, tu es à terre, je vais te soulever. Et quand je te soulève, moi-même ça me soulève. J'ai commencé, appel, appel. Un mois plus tard, même 3 semaines seulement, Seigneur commence à me dire, façon des services. Et quand j'étais en train de finir avec les enfants là-bas, il me dit, prends le bureau. Donc j'ai pris un autre bureau qui était à côté de ma maison. C'est là-bas maintenant qu'il commence le produit spirituel. Moi voilà que je fais que mettre les produits au bureau. Je mets les produits, Fais les lavages. Je travaille sur instruction. Suis la voix qui est dans ton cœur. Vous me suivez. Les kits là. Tout ce que j'ai fait, ça m'a inspiré par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mes ancêtres, mes anges gardiens, mes guides. Certains d'entre vous, parfois le matin des 5 heures, ils vous disent dans le rêve ce que vous devez faire. S'ils te parlent, tu te lèves, tu fais 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont dit. C'est comme ça que tu es en train d'échouer ta vie. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Vous m'écoutez bien. On va vous réveiller un peu. Allez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais la cloche est puissante. C'est ça quelque chose. Ça, les vibrations, là, ça a un truc dedans. Maintenant, tu es en train de me... Tu m'écoutes ce matin. Je ne savais pas que j'allais raconter encore mon histoire, une partie de mon histoire à nouveau. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des... Vous avez déjà traversé le désert. Désert dans le sens où... Tu connais déjà que si je dépose ma main sur quelqu'un ici, là, si quelqu'un a mal au dos, si quelqu'un a mal au cou, je le masse, il guérit. Achète la table de massage. Prends une partie de ton salon ou d'une chambre chez toi. Fais les massages. Si tu sais que pour payer le loyer, si j'ai besoin de 1 000 euros, payer le loyer facture, divise 1 000 euros par le nombre de massages que tu fais par mois. Ne compare pas tes services à d'autres personnes. Quand vous venez chez moi, vous payez le lavage. Est-ce que vous payez parce que... Je dis toujours, si tu es en train de forcer pour que tu payes mes services, va ailleurs. Et tu dois venir parce que tu sens en toi que c'est chez toi. Certains parmi vous, vous me voyez dans le rêve. Qui était venu dans le rêve, tu m'as lavé. Qui était venu dans le rêve avec ma mère, tu me lavais, ma mère était derrière toi. Elle te disait que prends ça, tu fais, tu mets sur moi. Tes clients qui ont besoin des dons qui sont dans tes doigts, ils vont venir à toi. Parce qu'ils me disent de vous avertir que vous payez tout le temps que vous n'avez pas l'argent. Vous payez que vous n'avez pas l'argent. Chaque fois que vous parlez, vous venez dire, je ne sais pas comment faire. Arrêtez avec vos bêtises là. Vous devez laisser l'esprit vous enseigner. Quand tu es dans la salle de massage, là, tes ancêtres sont avec toi. Quand tu tends la main, ils tendent la main avec toi. C'était parmi vous quand vous faites, vous cuisinez. J'ai dit que une dame, il faut que je mette son numéro ici là. Je vais mettre son numéro. Attendez, cherche son numéro. Elle a fait les gâteaux hier. Elle a envoyé. Maman. Maman, le gâteau était bon. Voilà, voilà son numéro. Je vais mettre ça ici.
Je reste le matin, un taximan vient livrer le gâteau. Et je connais la femme ici, là, elle a tellement pleuré la jambe dans mes oreilles. Et vous avez dit une fois qu'une femme est venue s'asseoir sur la chaise, l'onction qui a sur ma chaise là-bas a fait, elle a eu l'argent pour payer la consultation. Attendez, je mets son numéro. Je lui ai promis que je devais parler de ce gâteau ici, là. Elle ne m'a même pas demandé, mais moi j'ai dit que les dons de la femme là, c'est arrêtez de vous minimiser. Donc c'est 696 66 71 54. Elle faut aussi dans la restauration. Donc, si vous avez des événements, voilà, j'ai mis son numéro. Nancy, Nancy ne te dérange pas. Tu as compris, Nancy? Que je mange tout, il faut faire attention. Et Nancy, ne te dérange pas. Écoute, je suis tellement protégée. Que celui qui va vouloir faire quelque chose, il va se rendre tourner sa nourriture, il va manger ça lui-même, il va mourir. Tu me comprends, ma chérie? Vous ne me connaissez pas. Tu me comprends? Tu vas préparer ta nourriture, que ça c'est pour la femme si. Tu vas arriver en route, tu vas manger ta chose toi-même, tu vas tomber, tu vas mourir. Ne vous amusez pas n'importe qui. Ne me voyez pas comme je suis petite comme ça là. Attention. Essayez, non? Essayez. Quand tu vois, tu crois que comme celui-là n'a pas essayé? Tu crois qu'ils n'ont pas essayé? Ouais. J'ai les déceptions, tu connais. J'ai les ennemis reconnus, légalisés. Donc, on se connaît. On se connaît. Voilà. On va le numéro de la dame. J'ai vu ces gâteaux. Je lui dis, pourquoi tu n'écris pas sur tes statuts? Pourquoi tu ne fais pas une petite page Facebook? Voilà, tu es arrivé avant-hier que j'ai lavé ton petit frère. James, laisse-le, il me tente, non? Quand Elie a dit que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Écoutez. J'ai tout dit que même si je suis dans l'avion, il y a un kamikaze dans l'avion là qui devait exploser l'avion là. Il va s'asseoir dans l'avion, il va oublier. Il va oublier qu'il avait la bombe sur lui. C'est quand il va descendre qu'il va se lever, il va faire un pire. Il va dire que Allah, quoi, il va exploser. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Moi, je connais ma part. I didn't know my thing. You didn't hear me. I didn't know. À des noms. Et vous doutez des gens qui vous protègent. Vous doutez des gens qui vous ont envoyé. Vous doutez. Il y en a parmi vous. Vos ancêtres sont morts pour que vous ayez la vie que vous avez aujourd'hui. Ils ont souffert. Tu es là aujourd'hui, tu te simplifies. N'est-ce pas, c'est seulement moi. N'est-ce pas, c'est. Tiens. Donc, tu es en train de m'écouter. Vous en avez parmi vous, voilà vos dons. C'est ce que, il y a cette chose-là que quand tu fais, si tu prépares peut-être, les gens vont manger, 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 venir encore demander l'autre. T'appeler, lui dire que ouais, tu prépares encore la chose-là quand? Ou bien ça s'appelle la déco. Tu arrives un jour chez quelqu'un, autant, tu es dans la maison de quelqu'un, tu manques. Tu devrais mettre les rideaux ici, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça. Comme ça. La personne pas fait ça, ça donne. Tu arrives dans le magasin de quelqu'un. Est-ce que vous savez aussi qu'il y en a, il y a un nouveau service que j'ai pensé? J'ai vu ça chez certains d'entre vous. Tu peux montrer les astuces aux gens qui vont faire que leur business prospère. Donc tu arrives dans le magasin de quelqu'un, tu peux voir ce qui bloque l'énergie. Pour que son business ne marche pas.
Wanchi, je vais te bloquer, tu as compris? Tu as compris? Je vais te bloquer, pauvre. Quand vous faites un commentaire, si vous commentez deux fois, si je ne réponds pas, vous fermez votre bouche, vous attendez. Tu es bloqué. Vous écrivez, quand vous m'énervez, je vous bloque. Vous m'écrivez en inbox, débloque-moi s'il te plaît. Ne débloque pas. Tu vas rester comme ça. Va me chercher sur YouTube. Et vous pensez que c'est le privé, c'est n'importe qui que. Parce qu'il m'assoit, il passe mon temps, il parle avec vous, c'est là, vous me prenez pour n'importe qui. Bon, je ne vais pas rentrer dans la colère ce matin. Ils sont comme ça. Il y en a parmi vous la déco, l'organisation. Moi, je n'aime pas entendre qu'il faut organiser quelque chose. Like, appelez-moi, je parle. Appelez-moi, je mets les mains, je fais des trucs, je parle, je prêche, je bénis les gens, je lave les gens. Quand il faut organiser la nôtre, pardon, ouais, s'il vous plaît. Voilà un don. Tu peux organiser anniversaire, mariage, la dot même. Et quand c'est ton don, quand c'est ton don, et que tu commences à faire la chose là, c'est comme si tu étais né pour faire. C'est comme si quand tu commences à faire ça, tu deviens une lumière dans la pièce. Testez un peu. Parce que ton don, tu vas mettre peut-être quatre choses, quatre services. Bon, je fais le traiteur, je décore les maisons, j'organise les mariages, quoi d'autre? Je fais les massages. Ok? Et je conseille aussi, de tous tes services que tu mets, il y a deux services que les gens viennent demander tout le temps. Ils oublient les trois autres. Quelqu'un vient et dit, oui, mamie, je fais ta nourriture là encore. Ta nourriture là, oui, mamie, le pistache que tu fais là, quand tu fais les mets de pistache, c'est bon jusqu'à. J'ai parlé de ça à ma belle-mère. Oui, on veut 100 mets de pistache. Et toi, tu aimes la déco. Que non, je connais aussi décorer. Je peux décorer. Le lendemain, tu as la commande de 50 mets de pistache. 70 mètres de pistache. Ma chérie, c'est dans les mètres de pistache. Fais ta photo. Tu pars chez le photographe, tu tiens le mètre de pistache dans ta main comme ça là. Tu fais la photo comme ça. La reine du pistache. Écoutez, quand vous allez voir, je m'appelle avec une lumière là. Je suis seulement le flot des choses. Vous croyez que c'est tout le monde qu'on est préparé? Vous croyez que c'est tout le monde qui connaît préparé? Bonjour Grâce Divine, bonjour Doris, bonjour Victoire. Vous pensez ça? Le truc c'est que ton don est naturel pour toi. Il y en a même parmi vous. Vous devez organiser les cours de cuisine. Parce qu'on fait les cours de cuisine traditionnels avec les enfants pendant les vacances. Et le truc c'est que les ancêtres vont vous aider à vous faire de l'argent dans des choses que ce sont des trucs bizarres que vous n'avez pas encore entendu. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand il rencontre un homme, il veut me draguer. Quand il me demande ce qu'il fait dans la vie, c'est toujours bizarre pour moi, genre. Il dit que je suis laveuse, je lave les gens. Ouais, Seigneur. Vous comprenez un peu, non? N'ayez pas peur de dire aux gens ce que vous faites. Je suis enseignante, tu enseignes quoi? J'enseigne la cuisine. Tu vas faire ton premier cours comme ça, là, tu auras 50 personnes dans le cours. Tu vas dire que, hey, l'affaire là. Certains, vous avez le don de trouver les bonnes affaires en ligne. Tu peux faire un cours, tu montres aux gens comment commander les choses en ligne sur AliExpress ou bien Alibaba, je ne sais pas trop quoi. Et elle reçoit ça au Cameroun, elle fait son business avec. Peu importe dans quoi vous allez décider, hein, vous devez persévérer dans la chose. Parce qu'il y a les quitters parmi vous. Les quitters, c'est les gens que tu commences un truc, tu ne finis jamais. Tu as déjà fait en dessous, on mange à qui? Mais tu, là où tu es là, tu ne fais rien. Tu as fait dans tout, mais tu, là où tu es, présentement, tu ne fais rien. Quand on parle de ça, j'ai fait ça. Ma chérie, tu n'as pas fait ça. You haven't done it long enough.
Tu n'as pas fait ça assez longtemps. Suzanne Koumi, cette question, comment reconnaître ma mission de vie? J'ai une formation qui coûte 100 000 francs que j'ai fait là-dessus. Et c'est que vous aimez venir donner rien pour qu'on vous donne tout. C'est pour ça que vous prenez tout là, vous partez, vous ne faites rien avec. Dans la vie, tout se paye. Et toute personne qui m'écoute, qui met mes conseils en pratique, ça te donne de l'argent. Même si tu ne viens pas me donner l'argent, une partie de ça ne te dérange pas. La nature a vu que j'étais aidé à avoir l'argent. La nature a venu me donner l'argent. C'est ça qui est... Ah, c'est ça. Ah, merci Seigneur. Voilà, l'autre là, c'est la meilleure partie de tout. Beaucoup d'entre vous, vous êtes censés être des coachs. Des coachs, coachs. Coachs. Marie-Fleur, que je ne t'édifie pas seulement, il faut agir. Parce que votre entourage a vu votre lumière, ils connaissent. Ils connaissent que quand tu parles, ça édifie les gens. Ils connaissent. Donc quand tu vas commencer à mettre sur tes statuts que je conseille, il y en a parmi vous, réconcilier les couples, c'est votre fort. Quand vos amis ont des problèmes, c'est tout vous qu'on appelle. Tu vas passer toute ta nuit là-bas, tu les réconcilies, après tu rentres. Commence à mettre sur ton statut. Problème de couple, appelez-moi. Il y en a parmi vous, quand vous priez pour les couples, ils se remettent. Mais mettez. Vous voulez prier pour votre, que votre mariage marche. Contactez-moi. On vous a bloqué l'esprit. Vous attendez toujours. Non, je dois aller quand on me donne le diplôme. Écoutez, l'argent, c'est mon diplôme. Si je fais, ça marche. Et que les gens sont prêts à me payer. Voilà, quand quelqu'un entre dans mon bureau, il commence à me dire, tu peux me montrer un diplôme pour ce que tu as fait? J'ouvre la porte et dis, monsieur, on n'est pas mon client, sortez. Il dit, ton don, hein, c'est quelque chose que tu te lèves le matin, tu fais comme ça, là, que pipipip, ça donne. Tu te lèves, tu prends deux trucs comme ça, tu mélanges, tu mets le sel sur ça, puis enfin, mais c'est bon. C'est ton don là-bas. On t'appelle à moins 4 jours du mariage. Tu réorganises tout l'événement. Les mariés arrivent, ils regardent seulement, ils disent, mon bois. Parce que vous savez quoi? Quand quelqu'un veut se marier, il y a des gens qui paieraient 1 million pour que tu organises leur mariage. Parce que dans les 1 million, là, peut-être tu as les stratégies pour économiser l'argent sur ça. Tu leur économises 3 millions de francs CFA et tu leur économises le temps de stress. Peut-être tu connais même les gens qui peuvent. Tu connais même trois grandes salles de doigts là. Tu connais les gens qui possèdent les managers des salles. Donc ils n'ont pas pu obtenir certaines dates. Tu mets tes contacts en jeu, tant tu obtiens la date, tu obtiens la salle. Tu mets encore tes contacts, tant on te fait la salle à peut-être à 75% du prix. Ils ont économisé 25%. Vous devez savoir qu'en offrant ton service à quelqu'un, tu dois pouvoir montrer ce que la personne profite. Quand il vous montre mes lavages, je vous dis ceci. Tu es bloqué depuis 5 ans, depuis 15 ans. N'est-ce pas? Tu as essayé, non? Tu as fait le visa, tu as dépensé combien? Tu as perdu 4 millions combien de fois? On a pris ton argent, non? N'est-ce pas? Je te dis, elle veut donner 30 000 pour faire ton lavage. Ça ouvre tes portes. Vous savez, les témoignages, j'ai fait souvent une vidéo aussi, vous parlez que des témoignages. La femme qu'elle avait fait combien de, elle était mariée 5 ans. Elle attendait sa nationalité. Pendant que je la lavais, on était en train de donner sa nationalité. Elle m'appelle 10 minutes après le lavage, elle dit, maman, j'étais dans la salle d'attente, voilà ça qu'on me dit que j'ai la nationalité. Elle avait pris mes produits en avant, j'ai commencé à la traiter depuis décembre. Le visa de son enfant, que ça fait 14 mois qu'elle avait déposé. Pour que l'enfant monte et reste en Europe avec elle. Refusé. Elle obtient sa nationalité. 2 semaines plus tard, on donne le visa à son enfant pour qu'il monte en Europe et reste avec elle. Vous parlez de quoi? Ok. Comme tu penses que tes 200 euros, 300 euros, tes 1000 euros que tu pouvais me donner pour qu'elle travaille sur toi là. Comme tu penses que tu veux ton argent, garde ton argent. Stress. Tu as compris? Stress. Oui,
Le monsieur pour les rideaux, oui. Il faut qu'il commence à installer. Laissez-le travailler. Pourquoi tu laisses ta clé là-bas, ma chérie? Prends la clé sur la porte. Allez lui ouvrir, s'il vous plaît. Il dit que comme tu... Non, il y a pas de problème. Tu as fait faillite, non? Tu avais tes business à marcher depuis, tu as fait faillite. Depuis 2 ans, tu es à la maison, non? Il te dit, prends un kit chez moi. Tu dis que je maîtrise. Il y en a qui me... Vous me suivez ici. Là, vous avez appris. Vous êtes à votre troisième kit. À votre troisième lavage. Et à chaque lavage, tu vois un truc sort sur toi. Tu vois, on enlève quelque chose. Soit tu gardes ton argent. Garde ton argent. Garde ton argent. Reste avec tes problèmes. La frustration. Les nuits où tu ne dors pas, on t'insulte. Certains parmi vous, vous êtes bloqués en Europe depuis. Tu n'as pas les papiers. Tu as laissé tes enfants en Afrique. Tu as tout fait. On t'a pris dans les réseaux les 8 millions de francs CFA, 8 000 euros. Ça n'a jamais abouti. Je dis que tu dois laver tes enfants parce qu'il y a des blocages sur ces enfants-là. C'est pour ça qu'ils ne montent pas depuis. Pas on t'escroque encore 10 000 euros, ma chérie. Ne te dérange pas. Moi, je ne coupe pas. Je ne coupe. Quand tu connais ta chose, tu connais. Maintenant, quand vous proposez vos services aux gens, vous devez toujours leur expliquer ce qui profite. Je te montre ce que tu gagnes quand tu ne viens pas prendre un service chez moi. Et je te montre aussi ce que tu gagnes si tu viens prendre un service chez moi. Il y en a même qui composent pour la nationalité depuis, ils composent, ça ne donne pas. Je dis que ne te dérange pas, que ma main là touche ton visage, que ma main touche ta photo. Vous ne savez pas qu'il y en a parmi vous qu'on vous a bloqué le jacquet. Tu vas bosser. Un petit truc va donner. Tu vas bosser. Un petit truc va donner. Bon, continuons. La reine Suzanne, il y a les numéros ici. Elle ne dit pas que tu n'arrives pas à me contacter. Tu as compris, mamie? Tu as compris, non? Ok. Ceux qui ont raté le lavage du 1er, le 5 et un autre lavage. Je voulais être au Gabon le 5, mais avoir. Parce que je suis en train de superviser certains travaux ici-là. J'ai un chantier que je dois terminer ici. Et ils vont normalement finir ça mercredi. Donc, le Gabon, je vais peut-être le retarder de quelques jours. Donc, le lavage du 5 va sûrement se faire au Cameroun encore. Je vais faire ça au Gabon. Mais je vous tiendrai informé d'ici mardi, d'ici demain. Voilà, je verrai l'évolution des travaux aujourd'hui. Ok. Donc, quand tu proposes tes services, supposons que tu m'écoutes et tu dis, voilà, comme je fais bien les mets de pistache, comme je fais bien ceci, supposons que tu fais bien le héros, le mbongo, tu décides maintenant que, à part de ton boulot d'infirmière, tu vas faire à manger et proposer à tes collègues. Ton collègue ne connaît pas préparer. Ton collègue n'a pas le temps de préparer. Ton collègue, ok, Ada, contactez-moi sur WhatsApp parce que c'est seulement ceux qui auront payé en avance pour le Gabon qui vont me voir. Ok, tu as compris, Ada? Donc, il y a le numéro en haut, contactez-vous, dites que c'est pour le Gabon. Tu expliques à ton collègue que tu as travaillé toute une journée, tu es fatigué. Tu es fatigué. Vous voulez la cloche? Le pouvoir de la cloche. Tu dois pouvoir expliquer à ton collègue que si tu me donnes 100 euros chaque semaine, tu es sûr que tu as le repas de midi et le repas du soir. Tu te fais ça demain dans les gamelles. Tu me mets dans le frigo. Certains, tu me conçois au congélateur. D'autres. Donc tu veux que Marivonne, tu ne veux pas laver tes 5 enfants, donc tu aimes un enfant plus que l'autre. Hein? Supposons que tu laves 2, tu laisses 3. Les 2 l'avancent et les 3 autres n'avancent pas. Ce serait bien en tant que mère. Ok. C'était juste une question. Donc, tu vas pouvoir expliquer à ton client que
Tu as ta douleur là sur ton cou depuis, non? Si tu viens, tu me donnes 100 euros, 150 euros. Et ton service s'offre en fonction du soulagement que tu donnes à ton client. Il y a des gens qui sont, que ça fait déjà 4 ans qu'il a son mal de dos, ou mal de cou. Il a dépensé à l'hôpital même 5 millions de francs CFA pour ça ne part pas. Géraldine, je ne sais pas dans quel pays tu es, si tu veux payer ta dîme. Il y a Orange Money en haut de cette vidéo. MTN Money. PayPal même. Tu mets ta prière dessus, tu écris que je paye ceci à la maison de l'Éternel. Écrivez toujours ce que vous demandez à Dieu pour la dîme. Ne payez pas la dîme comme ça. Je suis un Makepe à Douala. En face de la menuiserie qui est derrière Paja Center à Makepe. Il y a des gens qui m'écoutent comme ça, là. Ils viennent, ils sont devant le portail. Le vigile dit que madame, il y a quelqu'un devant là-bas. C'est la personne qui est venue, lui seul. La personne est partie à l'hôpital depuis 5 ans. La nuit, il ne dort pas. Il a mal. Tu viens, tu lui dis, je te masse, donne-moi 150 000. Est-ce que tu escroques? Tu n'escroques pas la personne. Écoutez bien. Pour le Gabon, écris au numéro camerounais. Tu dis seulement que c'est pour le Gabon. Écris au numéro camerounais. Tu dis c'est pour le Gabon. On va te mettre sur ça. Le problème, c'est que vous vous comparez trop aux gens autour de vous. Ah, la femme la masse au quartier, elle masse à 5 000. Ah, l'autre là, ah, il passe à 15 000. Et moi, je paye, hey, maman. Hey. Certains parmi vous, vous êtes des guérisseurs. Vous êtes des agents de lumière pure. Et tu souffres pour payer ton loyer. Écoute-moi bien. Tu sais que quand tu prépares la nourriture, il y a la nourriture que tu prépares, les gens mangent et guérissent. Certains parmi vous, vous connaissez les remèdes qui soignent. Là. Le bailleur vient te déranger pour 50 000. Tu le fuis. Alors que tu aurais pu offrir. Remède de la typhoïde. Poste sur tes statuts. Tu sais comment la typhoïde dérange les gens au Cameroun? Ils sont à l'hôpital tous les 2-3 mois. Et chaque visite à l'hôpital, ils ne dépensent pas moins de 100 000. Si tu lui dis que donne-moi 100 000, j'enlève la typhoïde de ton corps pour toujours. Écoutez, hein, ce qui va vous aider dans vos dons, vous allez commencer à penser comme une businessman, businesswoman. Maintenant, quand tu offres le service, sois pleinement dans la chose. Quelqu'un vient pour son massage, concentre-toi, tu laisses l'esprit te guider, tu aides la personne. Soigne la personne comme si la personne allait t'amener 50 personnes. J'ai des personnes qui m'amènent souvent 20 clients par mois. Je vous dis. Il y a des gens qui font souvent le lavage de toute leur famille. J'ai lavé, les gens comptent, vous qui comptez mon argent là, j'ai lavé 17 personnes d'une famille l'autre jour. Souvent, elle lave 15 personnes. Souvent, la mère elle envoie ses fils, ses beaux-fils, ses belles-filles et ses filles avec leurs enfants. Surtout, elle avait toute une famille de 20 personnes. Parce que la première personne a compris ce que tu disais. Elle a vu, elle a testé, elle a dit que non, c'est ici, là. Donc, quand tu fais le service à la personne, là, fais ça avec tout ton cœur. Premièrement, ça va te donner confiance en ce que tu fais. Deuxièmement, ça va t'aider à payer ton loyer. N'oubliez pas l'autre partie, là. Troisièmement, tu es en train d'aider quelqu'un. Tu es en train d'apporter, tu contribues à l'avancement. Parce que les agents de lumière, vos services, ce qui vous donne l'argent, c'est toujours les choses qui vont faire, qui vont aider d'autres personnes, qui vont soulager les gens. Quand je prépare et je vends, il y a des gens qui partent dans les restaurants, mais ça n'a pas le goût de ta part.
Quand ils mettent la nourriture dans sa bouche comme ça, là, ça me rappelle la nourriture de mamie, ma grand-mère. Ma chérie, il payerait 20 euros pour ce plat. Vous offrez une expérience aux gens. Vous offrez quelque chose d'unique. Vous offrez la sensation. Et vous vous simplifiez. Ah, tu sais, moi ici c'est aimant. Oh Seigneur, aide mes frères, aide-les. Bon, je réponds un peu aux questions avant de continuer. À ma non. Si c'est ta dîme que tu viens de payer, j'ai reçu ta dîme, ma chérie. Je bénis ta dîme. Je bénis cette dîme. Je veux qu'elle te retourne multipliée par 100 au nom puissant de Jésus. Ça vient d'arriver. Donc, Marie-Vente, tu peux laver tes 5 enfants. Tu envoies leurs photos, leurs noms, les intentions que tu as. Et quand c'est un lavage de famille comme ça, groupé, généralement, je le fais directement avec toi. C'est-à-dire, au lieu de faire avec tout le monde, je te prends. Parce que si je lave tes enfants et toi, ça va faire 6 personnes sûrement. Voilà. Ada Lopez. La terre a des vertus. La terre, c'est un des éléments spirituels. Parfois, je soigne avec la terre, parfois, je soigne avec l'eau, parfois, je soigne avec le feu. Donc, Christelle. Makepe écrit P-A-J-A. La menuiserie qui est derrière Paja Center. On recherche un magasin à Yaoundé aussi. Le PayPal pour truc, c'est Aurélie Michel. C'est en haut de cette vidéo. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Donc les gens qui veulent la nourriture à Douala, voilà le numéro de la dame. Si vous avez l'anniversaire, ces gâteaux sont. Super. Je vous dis. Sa cuisine est. Et c'est une femme qui est très jolie, très douce. Je ne sais pas pourquoi. Elle a ce truc-là en elle. Donc, tous ceux qui sont venus à l'événement hier, au lavage, ils ont voulu finir mon gâteau. J'ai pris mon gâteau, j'ai gardé. J'ai dit, mais c'est comment avec vous? On m'apporte le gâteau, vous venez bras ballants, vous voulez finir mon gâteau. Ils ont mangé jusqu'à. Ils calculaient que le gâteau là sur la table. Voilà. Donc, je cherche un magasin à Yaoundé. Si quelqu'un a parmi vous un magasin en bordure de route, on va. Donc, je suis en train d'ouvrir le local de Douala. Le local de Yaoundé est en train de. Et en mijotement. On va dire comme ça. Vous en mijotage. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je reviens sur les services maintenant. J'espère qu'elle a répondu à vos questions. Pour Yaoundé, Yaoundé, ce ne sera pas cette semaine. Je dois aller au Gabon cette semaine. Donc, Yaoundé, ce n'est pas cette semaine. Donc, quand tu offres tes services. La dernière chose que je veux vous demander, c'est de mettre ce que vous savez faire sur les réseaux sociaux, aussi bête que ça paraît. Si vous ne prenez pas mon temps pour faire les vidéos où je vous parle de lavage, où je vous parle de ceci, de cela, vous n'achèteriez pas et vous-même, vous ne connaîtriez pas qu'il y a une solution à votre problème. Tes clients sont là dehors, hein. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur problème là a une solution. Parce que toi, tu ne t'es pas mis sur les réseaux pour parler. Vous me suivez. Donc, faites votre truc. Si c'est vraiment sincère, vous me contactez. Je vais partager votre truc sur la page. Ceux qui m'offrent des choses que ça me plaît, je parle de votre service ici là. Donc vous devez avoir un compte sur les réseaux sociaux. Vanessa, si tu es pauvre, écoute-moi Vanessa, écoute-moi bien avant qu'elle te bloque. Je ne veux pas les gens qui pleurent sur ma page. Quand ils voient une femme qui pleure, je n'ai pas l'argent, je te gronde d'abord. Arrête tes bêtises là. Tu dépenses mal ton argent. Tu n'es pas pauvre, tu dépenses mal ton argent. Pas à la boutique, tu achètes le sel de 50 francs CFA. Tu me comprends bien, Vanessa. Rentre à la maison, je te lave avec le sel là. Tu mets le sel là dans l'eau. 3 pincées chaque jour.
Tu achètes le laurier de 200. Tu cherches le romarin au marché. Tu achètes le romarin même pour 500. Le matin, tu pisses, tu prends ton propre pipi. Tu crois qu'on vend le pipi? Quand vous aimez montrer que je n'ai pas l'argent. Parce que vous êtes non disciplinés. Paresseuses. Je vais vous remettre, hein? Je vais te remettre. Les pauvres comme nous aussi. Moi, te donner le travail à faire, je ne vais pas faire, je vais dormir. Grâce divine, la représentante de Bafoussam dit à Bayangam, est-ce qu'elle t'a. Tu as voulu un service, elle n'a pas donné. Tchotchoua, arrête de me poser des questions parce qu'elle va se te bloquer. Tu as compris? Tchotchoua, where you are? Why you? Ne stressez pas avec vos questions. Tu prends le sel là, tu mets dans ton eau, tu lis le psaume 35. Le psaume, c'est dans la Bible, tu n'as pas besoin de payer la Bible. Grâce divine, ne critique pas ma représentante, tu as compris. Elle est en deuil actuellement, elle a perdu son père. Tu comprends? Elle a perdu son père, ça fait même pas une semaine. Si elle ne répond pas, contacte une autre représentante, même pour Douala, même pour Yaoundé. Parce qu'on poste dans toutes les villes là. Donc, tu mets le sel dans l'eau. Ok? Tu achètes le sucre aussi. Cette semaine, je suis à Douala lundi et mardi. Après, je ne suis pas à Douala. Je dirais même seulement lundi. Aujourd'hui, c'est tout. Si tu es à Brazzaville, il faut que tu viennes à Makepe. Aujourd'hui, je vais faire les lavages à midi. Bon, il faut venir à 11h maximum pour les lavages. Il faut venir à ma crêpe. Attendez, je donne la recette à la fille qui dit qu'elle est pauvre là. Première recette, le matin, tu prends ton premier pipi. Donc, quand tu te réveilles, tu te réveilles à 4h, tu te réveilles à 5h, tu te réveilles à 6h. Le pipi qui sort de toi là, tu prends ça. Tu prends un petit verre de ce pipi là, la moitié d'un verre. Tu verses dans 5 litres d'eau. Tu prends 3 pincées de sel, tu mets dedans. Dis ce que tu veux. Seigneur, enlève la pauvreté sur moi pour que j'achète les services de la reine Jocelyne. Tu as compris? Lave-toi avec ça pendant 3 jours et tu jeûnes. Oh, you are. Deuxième astuce, tu prends le sel avec le sucre, tu mets dans l'eau. Tu peux prendre même le sucre de 200, le sel de 25. Vous dites que vous n'avez pas l'argent là. Tu mets dans la marmite, tu bous. Quand est-ce que pendant 15 minutes, tu vas acheter le bois de 100 francs, de 200 pour ça. Vous avez trop pleuré l'argent. Bou. Tu descends du feu. Tu mets le romarin dedans. Tu couvres. Tu laisses ça là-bas. Ça refroidit. Tu mets dans l'eau. Tu peux utiliser ça 3 jours encore. Tu mets dans l'eau le matin. Tu te laves avec. Si tu fais les deux choses ici, qui t'ont coûté 1000 francs, tu n'as pas une rentrée d'argent. Bloque ma page. Je ne passe plus sur ma page. C'est que tu as le blocage plus que je n'ai jamais vu sur la Terre. C'est que tu es un extraterrestre. Même les extraterrestres, ils se lavent avec le sel, leur chose marche. Tu as compris, non? Voilà. Donc, je vous dis que vous dépensez mal votre argent, ce n'est pas que vous n'avez pas l'argent. Donc, quand tu offres tes services, je reviens maintenant aux enseignements que j'ai commencé. Quand tu offres le service, fais ta page. Ok? Si tu as peur de faire le direct, c'est une chose que je te conseille. Fais le direct. Même si tu as. J'ai les directs où j'avais 50 vues. Hein. Ne voyez pas comment on me regarde aujourd'hui là. Je sais que vous vous aimez toujours. Ce n'est pas la. Peut-être. Vous ne connaissez pas commencer quelque chose spécifique. Hein. Vous ne connaissez pas. Ouvre ta page Facebook. Tu te lèves le matin. Tu mets le crédit de 500 dans le téléphone.
Tu pars en ligne, tu cherches les recettes qui vont aider les gens. Combien d'astuces j'ai donné sur ma page qui vous ont aidé? Même si tu veux, tu fais le copier-coller. Viens, moi, fais ce que je fais. Tu pars, tu copies, tu fais sur ta page. Apporte de la valeur aux gens. Vous êtes trop concentré sur vos problèmes. Mon mari m'a quitté, il m'a laissé avec 5 enfants. Ouf, on n'en a rien à foutre. We don't care. Les gens n'aiment pas quand tu es dans des plaies. Et c'est fou parce que quand tu es pauvre, on n'aime pas te donner. Parce que tu es pauvre, ta vibration, c'est bizarre. Quelqu'un sort même l'intention de te donner 50 000, il finit par te donner 5 000. Parce que tu pleures l'argent. L'argent te fuit. Si vous écoutez mes conseils, vous allez me donner le témoignage dans 2 mois que maman, j'étais dans la chambre de 20 000. Maintenant, si 3 mois plus tard, je paye mon appartement à 100 000 francs, et c'est moi qui ai payé. Consamba, vous venez à Douala, vraiment. Tu ne peux pas me dépasser par là en Consamba pour seulement 2-3 personnes. Vous avez suivi, non? Tu cherches les choses qui vont aider les gens. Après le lavage, tu ne te laves plus. Et quand tu te laves, tu ne te sèches pas. Tu laisses ça sèche sur toi. L'eau là doit entrer dans ton corps. Tu dois surtout parler. Donc si c'est la déco par exemple, fais les vidéos où tu montres aux gens les astuces pour la déco. Où est-ce qu'ils peuvent trouver? Je peux te dire, ok, je vais vous montrer où vous pouvez trouver. Ok, je vais vous montrer. C'est juste une idée. Hein. Vous voyez peut-être, voilà ma lampe de table. Voilà ma lampe. Vous voyez. Oui. Avec? Ben, je crois qu'il n'en reste plus. Hein. Tiens, vous devez aller en acheter à la boutique. Vous voyez ça, non? Il va retirer le téléphone totalement. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez quoi? Je me casse un peu. Je vais faire en avant. Peut-être tu fais la déco, non? Tu peux faire une vidéo où tu montres aux gens comment décorer leur lustre. Tu pars, tu montres le tissu, tu achètes le tissu de 500 au marché ou de 1000 francs. Tu prends la colle, tu prends le temps, tu viens, tu leur montres comment mettre ça. Vous suivez un peu. Voilà. Tu as les astuces peut-être pour guérir certaines parties du corps. Tu fais une vidéo, tu montres aux gens les herbes qu'ils doivent prendre. Vous comprenez, non? Montre les herbes qu'ils doivent prendre. Tu peux montrer aussi les... Si tu cuisines, tu peux... Brigitte, j'ai sonné la cloche. Malgré ça, tu as dormi. Et tu as rêvé que j'avais quoi? Que j'avais de très belles bougies. Et il y avait 5 bébés. 5 bébés par terre qui te tendaient la main. C'est tes ancêtres qui t'ont montré ça, c'est super. Donc, si c'est peut-être la nourriture, non. Montre certains de tes secrets aux gens. Je ne blague pas. Peut-être tu as un secret qui fait que quand tu fais tomber les pistaches, c'est mis. Prends le secret là. Montre aux gens. Toutes mes choses sont sur Facebook. C'est ça qui fait ma force. Je sais que les gens croient que c'est ça qui me fait ma force. Parlons peut-être organisation de mariage. Comment bien planifier son mariage à l'avance? Tu montes les étapes, tu dis faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Le truc, c'est que quand tu montres tes choses aux gens, ça fait que les gens sachent que... Les gens vont savoir que tu as le savoir. Les gens vont savoir que tu connais. Parce qu'on n'aime pas venir vers quelqu'un qui ne connaît pas.
Et quand tu te mets devant la caméra, qu'est-ce qui me fait savoir que tu es différent d'un autre charlatan qui est là-bas? C'est ce que tu connais. Maintenant, quand tu vas donner les recettes, les gens vont aller mettre en pratique. Ça va marcher. Ils vont dire à l'autre personne que mamie, j'ai suivi la fille, c'est là, elle m'a appris à faire le bongo. Et je fais maintenant mon tarot, ça donne. La sauce ne fuit plus. Que j'ai appris chez la fille ici. Que le gâteau, quand elle faisait mon gâteau avant, c'était dû un genre penché. La fille ici m'a montré comment faire le gâteau. Mon le DG, elle m'a montré comment faire le DG. Parce que quand tu donnes dans la nature, quand tu donnes, écoute, ne te dérange pas. La nature va te redonner. Il n'y a pas d'injustice sur la terre. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous êtes chiches avec ce que vous connaissez. Vous ne donnez pas, vous n'aimez pas aider les gens. Vous n'aimez pas. Avec les choisis aiment naturellement aider les gens. Et on voit ça comme une faiblesse. Mais c'est ça votre force. Vous me suivez. C'est ce qui fait votre force. Vous ne savez même pas. You don't know. That's your strength there. En passant, les t-shirts sont disponibles. C'est sur commande parce que la femme s'est fait ça à la main. Donc, ça prend du temps pour faire. Voilà l'été qui arrive avec les espadrilles. Et c'est que tu vas me dire, ah, j'ai commencé, j'ai lancé ma page depuis, j'ai abandonné. Va reprendre ta page là. Reprends encore la page là, s'il te plaît. Va chercher la page à nouveau. Merci beaucoup, Ilambi. Ada Lopez, si tu rêves d'un blanc, je sais que vous aimez qu'on vous dise vos choses. Peut-être que tu dois te marier avec un blanc. Lave-toi bien d'abord pour activer ton étoile, ma chérie. Si possible, tu vas nous laisser des rencontres. Ceux de Ngaoundéré, on poste les produits en Ngaoundéré. Il y a des produits comme le Donne-moi tout. Voilà, ça Donne-moi tout. J'en ai aimé un peu mon Donne-moi tout. Je vais me mettre d'abord sur la main. Je Donne-moi tout. J'ouvre mes portes aujourd'hui. Je reçois mon argent. Toute flèche lancée contre moi ne peut prospérer. J'annule toute mauvaise incantation contre ma vie. Ceux qui ont le Donne-moi tout chez vous, quand vous mettez sur vos mains, vous ne sentez rien. J'ouvre mes yeux, j'ouvre mes oreilles, pour que je puisse entendre ce que vous me dites. Le Donne-moi tout, tu peux le mettre dans le bain. Tu mets quelques gouttes dans le bain. Tu peux mettre aussi dans ton huile pour te moindre. Tu peux mettre aussi, quand tu fais le bain avec, tu mets le sel. Voilà, mes mains chauffent déjà, je sens déjà ça. Je sens déjà les effets de ça. Oui, je vais faire les pubs. Il faut que vous, toutes là, vous devez avoir les business. Pas un, pas deux, pas trois. Vous devez avoir plusieurs. Vous devez faire d'en dessous. Oui. Donc, je prendrai des jours, je parlerai de ce que certains d'entre vous font. Monsieur Narcisse, que tu as, j'ai expliqué, ne me dérange pas, tu as compris. J'ai expliqué le romarin. Le laurier, tu fais bouillir le laurier aussi. Tu mets le sel dans l'eau, tu te laves avec. Voilà, à mort, tu as dit, on donne-moi tout, tu confirmes, non? Voilà. Certains parmi vous, on vous a mis les mauvaises odeurs spirituelles. Quelque là où tu es là comme ça là. Et il y a des gens que vraiment, vraiment, vous avez de mauvaises odeurs. Hein? Tu te parfumes n'importe comment, mais tu énerves tous les gens. Tu énerves tous les gens. Donc tu arrives quelque part. C'est dur pour qu'on te donne ta chose. C'est dur pour qu'on te donne ce qui te revient. C'est dur. Aurélie, tu as rêvé qu'elle te donne le kit. Et je suis sûr que tu n'as jamais acheté le kit, non. Ton subconscient a été dit qu'achète le kit de la reine Jocelyne, ça va t'aider. Toi, tu es en train de durcir. Moi, je ne sais même pas ce que vous voulez.
parfois du fil à retordre aux ancêtres. Tu rêves, tu me vois en train de te laver. Tu n'as jamais pris le lavage. Tu rêves, tu me vois dans, le rêve, dans ton rêve, je te montre une direction. Tu n'as jamais pris la consultation pour que je te parle. Vous voulez quoi? Je fais les produits, je parle, donne-moi tous les kits célébrités. Kits ceci, kits cela. Tu n'as pas pris. Tu es seulement là. Continue, non? Les gens vont avancer. Donc, là, tu façonnes ton service. Le premier agent que tu vas avoir de ce service-là, vous avez vu la majorité des services dont je vous parle. Il y a aussi les gens conseillers vestimentaires. Vous connaissez les bons coins, vous connaissez les beaux magasins. Magasins là-bas, vous avez les produits moins chers. Façon ton service. Bonjour la reine Joël. Parce qu'il y a des femmes qui ont l'argent, mais elles n'ont pas le temps d'aller faire le shopping. Moi inclus. Le shopping, c'est un truc que vraiment. Pourquoi on a créé le shopping? Moi, j'aime bosser. Moi, j'aime travailler. J'aime travailler. Moi, j'aime travailler. J'aime faire l'argent. J'aime faire l'argent. Donc, aller faire le shopping là. Donc, peut-être toi, c'est ton don. Je ne vais pas répondre parce que je vous ai dit comment cela va avec le romarin. Vous allez regarder la vidéo aussi encore. Certains parmi vous, ça fait 2 jours que vous me regardez. Vous regardez 2 vidéos, vous ne voulez plus. Vous allez regarder mes vidéos. Vous ne voulez pas vous laisser, vous partez. Donc, tout l'argent que tu gagnes au début, conseiller vestimentaire, toutes ces choses-là, tout l'argent que tu gagnes, réinvestis dans ton business. Parce que si tu arrives devant une banque, tu leur dis que je suis parti, j'ai pris 100 € pour commencer mon business de massage, j'ai acheté la table de massage à 100 €. Aujourd'hui, j'ai mon chiffre d'affaires de 10 000 €, 3 mois plus tard. La banque en mesure de porter 50 000 € et te donner pour que tu agrandisses ton business. Parce qu'on a vu comment tu vis, comment tu peux prendre quelque chose, entretenir, multiplier. Et Dieu fonctionne toujours avec la semence. Toujours. Quand je parle de shopping, tu prends l'argent de quelqu'un, tu pars choper, tu viens lui donner. Et la personne te paye. Oui. Les gens peuvent vous payer partout de shopping, ils peuvent te payer 50 000. Chaque semaine, 50 000. Vous souffrez. Et vous avez les dons. Oh, Jesus, Seigneur, parle à tes enfants. En tout cas, je vous parle à sa place. Quand tu vas prendre ton premier argent de ça, ne pas acheter les voitures, ne pas acheter... Dans le business, tu ne manges pas l'enfant de ton business. Ton premier agent, c'est quoi? Le père ou le grand-père, c'est 100 €. Puis chérie, comme va sur ma page chercher, ou tu demandes à la personne à qui tu as acheté. Faut arrêter de venir déranger mes directs. Avec des questions qui sont idiotes là. Je passe mon temps à faire les vidéos, je fais les vidéos, vous ne regardez pas, vous allez poser les questions. Sans ça, vous faites un vous trompe. Arrêtez d'être idiote, s'il vous plaît. Quand je vois une femme qui est idiote, ça m'énerve. Vous attendez qu'on fasse tout pour vous. Oh, non, arrêtez. Arrêtez. Sans ça, vous allez faire vous tromper, on vous trompe. Arrêtez la paresse. Tu ne peux pas faire grandir ton business quand tu es paresseuse. Impossible. Paresseuse. Vous êtes paresseuse. Sur YouTube, il y a tout. Sur Google, il y a tout. Tu as la maison, tu n'as pas l'argent. Parce que tu veux qu'on t'interprète ton rêve. Comment vous m'énervez souvent? Il y a des gens qui viennent, tu payes la consultation, ils ne te consultent pas. Tu as regardé mes vidéos, ça fait 1 mois que je suis tombé sur tes vidéos. Tu as regardé combien de vidéos, tu as mis quoi en pratique?
Comment vous m'énervez? Vous attendez l'homme qui va venir vous donner l'argent. Même si tu as n'importe quel don, tu es paresseuse. Tu vas finir pauvre. Ou paresseux. Trop paresseux, paresseux, paresseux. L'esprit vous dit les choses, vous n'écoutez pas. Beaucoup d'entre vous, vous avez les dons que j'ai, vous avez même plus. On vous menace dans votre famille, on vous insulte. Regardez-la là-bas, regardez-la. Chaque jour, il dit que le Dieu va le temps de Dieu. On t'insulte chaque jour. On se moque de vous. Vous devez être fatigué du mépris des gens. Vous devez te... Un moment, tu vas te fatiguer de la pauvreté. Comme Kossé a chanté que la galère... Non, non, non. Tu ne parles pas avec la galère. Je ne cause pas avec la galère. On n'est pas de la même classe. J'ai galéré. Je vous dis, j'ai galéré. Dieu de la belle, ne te dérange pas. Je vais te bloquer. Vous me connaissez même. Quand ça tourne dans ma tête là, il vous enlève. Je n'ai pas besoin de vous. Quand je vois une femme qui souffre, ça m'énerve. C'est tout là. J'attends qu'il m'a abandonné. Tu as fini de pleurer. Ça fait 3 ans que tu pleures, non? Qui est venu te sortir dedans? Personne. Ok. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es ton propre Dieu. Si tu ne te sors pas de là, tu vas continuer, tu vas mourir, on va t'enterrer, on va vivre. Tu as compris? Voilà. Tu nous débarrasses du plancher. Tu crois que si tu meurs, on va pas vivre? Si tu meurs, on va pas vivre. Essaye un peu de mourir. Meurs un peu, tu vois. Meurs un peu. Ma chérie, dis que tu souffres parce que tu es Jésus, non? Jésus est à moi. Meurs un peu seulement, tu vois. Essaye de mourir. Tu vas lire là. Personne ne va venir te sauver. Quand j'ai compris cette réalité, j'ai compris que la force était en moi. Voilà le jour qui s'est levé, non? Voilà le jour, non? N'est-ce pas? Reste à la maison. Passe la journée là-bas, tu tournes. Va regarder les TikTok. Fais des trucs qui n'ont pas de sens. Tu attends le soir que l'homme vient te donner l'argent. Va faire les TikTok qui n'ont pas de sens. Dernière étape, quand tu as déjà commencé à offrir des services avec tes dons, tu dois perfectionner ton don. C'est-à-dire, il y a de cela 2 mois, je faisais seulement le massage. J'ai pris des livres, j'ai commencé à lire sur le massage. Je m'assois le soir, je vais sur YouTube de massage. Ça, c'est pour perfectionner mon don. C'est pour augmenter mes connaissances. Tu fais ça chaque soir, au bout de 3 mois. Où tu vas maintenant dire que j'ai le massage thaïlandais, j'ai le massage chinois, j'ai le massage badounais, j'ai le ceci. Tu as amélioré. Tu as raffiné tes services. Vous me suivez? Quand tu commences, tu ne vas pas rester sur le même nombre de clients chaque semaine, non. Voilà, j'ai 2 clients, ça me... Non. La semaine prochaine, quand le client vient, avant de le masser, tu te prends ton temps, tu t'assois. Tu lui expliques d'abord que ici, c'est parce que tu t'assois mal dans la journée. Tu parles. Tu es en train d'ajouter le conseil au massage. Tu me comprends?
La cuisine que tu faisais là, tu commences à te dire, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont diabétiques. Beaucoup de mes clients sont diabétiques. Je peux trouver des formes de recettes. Tu veux maintenant ta page où tu mets même dans les conseils pour diabétiques, nutrition pour diabétiques. Tu es en train de raffiner ton service. Quelqu'un m'a dit, ah, tu as le diabète? Non, je connais une femme qui va t'aider. Je connais. Prends, va à sa page, va à son numéro. C'est comme ça qu'on parle de toi. Ça veut dire que mon kit célébrité va maintenant bien marcher sur toi. On va parler de toi. Je veux que vous me compreniez bien. Et si tu es trop prise pour avoir le temps de regarder souvent mes vidéos, tu vas arriver. Parce que ce que je vous apporte est... Je suis une activatrice de talent. Quand vous m'écoutez, vous voyez comment les idées viennent dans votre tête, non? Fais un peu un mois, tu ne m'écoutes pas. Fais un mois, tu ne m'écoutes pas. Je ne me vante pas, mais je connais maintenant qui je suis. Je connais ce que je fais. Je connais l'effet que j'ai sur les gens. Tu vas te lever le matin, tu vas commencer à voir ton business. Tu vas te dire, pourquoi il veut même faire? Je veux même laisser. Alors que tu m'avais écouté pendant une semaine, ça a fait que tu as commencé l'activité. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Allez. Quand quelqu'un vient me voir, il paie la consultation, je peux savoir celui qui m'écoute, je peux savoir celui qui ne m'écoute pas. Parce que je t'entends d'abord parler, non? Ah, c'est trop dur. Vraiment, c'est dur. Je sais que c'est dur, ma chérie. Je sais. Je sais. Mais si tu m'écoutais, si tu écoutais, ton esprit serait en train de chercher la solution. Parce que chaque problème que vous avez a une solution. Donc, je vous ai donné des astuces. Il n'y a que ceux qui avaient besoin de ça. Je sais qu'avec ce que j'ai dit là, les gens vont se faire les 10 000 euros par mois. Je connais ce que je vous dis. Vous m'entendez? Et beaucoup d'entre vous n'obéissez pas à l'esprit. L'esprit va parfois te dire, fais un don à l'orphelinat. Tu as tourné, oh, il me reste seulement 50 euros. Prends 20 euros sur ça, tu donnes à l'orphelinat. La cloche de la gloire. Yes. Seigneur, merci. Merci pour les vies qui sont en train d'être transformées. Merci pour les personnes qui ont écouté ceci, qui vont réécouter, celles qui vont se connecter plus tard. Merci pour l'argent qu'ils ont reçu, qui va se manifester dans quelques jours. Je bénis chaque poste qu'ils vont faire. Je bénis les pages des personnes qui m'écoutent. Ceux qui vont se lancer sur YouTube, ceux qui vont se lancer sur TikTok, ceux qui vont se lancer. Seigneur, je mets en eux l'esprit de travail. Qu'ils savent chercher, perfectionner et redonner. Redonner au monde entier. Que vous trouviez votre direction, que vous trouviez votre voie. Je viens vous bénir. Je bénis vos idées. Que vous ayez de nouvelles idées encore plus puissantes. J'enlève la honte et la peur qui faisait qu'avant, vous pensiez à vos idées, mais vous savez que je sais préparer, mais vous n'avez pas le courage de proposer aux gens. Je vous mets d'ailleurs au défi. Je vous mets au défi. Mettez ça sur... Allô? Oui, oui. Voilà, come on, don't do this, mais... C'était le chauffeur. Bon, je vous mets au défi, comme je disais,
de lancer votre page YouTube, Facebook, aujourd'hui. Mettez votre service sur la page là, aujourd'hui. Faites une petite vidéo où vous expliquez que je cuisine depuis que j'ai l'âge de 3 ans. En fait, dans le ventre de ma mère, je suis née, j'avais une petite cuillère en main. Vous voyez, j'ai toujours fait ça depuis. Un faux truc comme ça. Pour ceux qui sont coach là, vous sentez en vous qu'il y a le coaching. Faites votre vidéo. Mettez la page. Cherchez un coin de votre maison où vous allez installer la table. Où vous achetez votre bureau? Tu achètes un bureau normal là. Tu mets dans ta chambre. Tu me prends ton ring light. Ton petit argent que tu as là, tu achètes le ring light. Tu as ton téléphone, donc tu peux faire tes vidéos avec le téléphone en attendant. Je vous mets au défi de faire ça aujourd'hui. Les gens qui vont m'envoyer leur page qui viennent de créer, je vais poster ça sur la page ici. Avec vos services. Pendant 3 jours, je vais le faire gratuitement. Je ne vous demanderai rien du tout. Écrivez-moi, vous me dites que voilà, je viens de lancer dans ça, je fais dans ça. Envoyez-moi ça sur WhatsApp. Si vous envoyez, je ne réponds pas, insistez s'il vous plaît, parce que vous abandonnez trop vite. Parce que quand je fouille dans mes messages, je parle d'abord sur ce qui va me donner de l'argent. Réflexe. Réflexe. D'abord, ce qui va me donner de l'argent. Parce que dans ma journée, j'ai très peu. J'ai pas très peu d'énergie, mais mon énergie, c'est pour faire certaines choses. Vous comprenez, non? Voilà. OK. J'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Hein. Surtout, mettez en pratique ce que vous venez d'entendre. Il est temps qu'on arrête de se moquer de toi alors que tu as les dons. Il est temps que tu arrêtes d'attendre qu'un homme ou une femme vienne te sortir de ta situation. Tu as arrêté d'être gigolo. Arrête de partir vivre chez les femmes. Il est temps que tu arrêtes de poursuivre les gens pour les papiers. Que tu te prennes toi-même en main. OK? High five. High five. Voilà, je me suis fait moi-même mon high five. On se nourrit de la sonnette de la cloche. Oh, c'est un son que ça fait à la fin là. Oh, c'est trop bien. Bonne journée. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent cette semaine. Paix sur vous.